Quelquefois, un peu clopin clopant dans le soleil et dans le vent, tel Jules César, Walter nous a conduits jusqu'à Alésia pour continuer à nous faire partager son amour pour la danse, la gymnastique et les claquettes. Le tout sur des airs de musique permanent, de tout cœur, de notre part à tous et à tous. À notre réunion. À notre réunion et... Bon anniversaire. Voilà. Ah ben moi aussi j'ai préparé un petit mot. Ah, regardez, il n'y a qu'à le sortir. Il faut continuer à nous voilà. Faire mais moi je vais la prendre comme ça, j'ai envie que tu me vois tous. Voilà, voilà. Voilà. Sans bien sûr avoir... Ah oui, mais je lis fort, déjà pour correctement là. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, et surtout à ceux que je n'ai pas encore eu le plaisir de saluer ou de biser à l'arrivée ici dans ce CISP. Mais je crois que c'est fait déjà, comme ça c'est rattrapé, voilà. Sans bien sûr avoir une pensée pour celles ou ceux qui n'ont, soit pour une raison ou une autre, pas pu passer cet après-midi avec nous. N'étant pas un grand orateur, je vous l'ai dit, bon, je continue. Quelle joie de se retrouver, pouvoir se réunir cet après-midi au sein de l'éventail bleu, un éventail qui s'est ouvert il y a déjà 3 ans, tout juste. Pour la plupart d'entre nous, nous nous connaissons déjà depuis plus longtemps. Nous avons eu le plaisir de danser, gymnaster, taïchier. C'est bien, apprendre à se connaître un peu. Cependant, je crois, c'est depuis ces 3 années passées, au sein de l'éventail bleu, que nous sommes devenus une vraie et véritable famille. Pour ma part, je pense que nous n'avons rien perdu en échange des beaux quartiers de Saint-Augustin. Au contraire, nous avons tous gagné des amis et une famille très conviviale de l'éventail bleu, grâce à vous et à nous tous. Voilà, ben c'est pas fini. Attendez, hein. J'ai passé du temps pour le faire. Et oui, il paraît que nous ne sommes pas particulièrement réunis pour cet après-midi pour fêter le 3e anniversaire de l'éventail bleu. Il y a quelques jours, j'ai reçu dans ma boîte à lettres l'invitation pour être convié ce mercredi 7 mai à fêter une année selon ce courrier, ô combien important pour moi. En effet, pour rester dans la table mathématique des 3 et en faisant le multiple par 20, je suis également arrivé dans le club des 60. Eh oui, 60 ans, ce n'est pas rien. Pourtant, de la manière où je suis soutenu, porté et éventaillé par l'éventail, j'ai l'impression de n'avoir que 20 ans. Oh, 20 ans quand même.
Et si on pousse un peu le calcul et on additionne 3 et 60, toujours dans la table des 3, bien entendu, on arrive aujourd'hui, jour pour jour, au 63e anniversaire du début de la paix en Europe. Pour ceux qui n'ont pas compris, je vais leur faire un petit cours d'histoire plus tard. Pardon, j'ai la nuque. Mais revenons à aujourd'hui et profitons de cet instant, ce moment de bonheur que nous passons cet après-midi tous ensemble. Je voudrais également exprimer par ces quelques mots mes très grands remerciements aux organisatrices et organisateurs dont leurs noms m'ont été cachés, bien que j'ai une petite idée quand même. Je les remercie du fond du cœur et je pense qu'elles ou ils méritent largement mes et vos applaudissements. Mais attendez d'abord, attendez encore. Je vous souhaite à tous et à tous, toutes, un très bon appétit. Vive la danse, vive la gym, en espérant que vos professeurs peuvent encore le plus longtemps possible contribuer à conserver votre forme. Vive l'éventail bleu. On a faim. On a faim. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on fait la fiesta avec Walter et ses nanas. Il nous fait bouger de tout cœur et on le suit avec bonheur. C'est la joie quand on est ensemble. Et qu'il nous rassemble. Aujourd'hui, il a 60 ans, on n'a pas vu passer le temps. Il a gardé toute sa jeunesse et nous donne sa gentillesse. On tient bien sûr à le garder pour l'éternité. Sa moitié là, c'est vraiment une super nana. Il nous chouchoute et nous séduit. Comment ne pas le faire la mise? On est là pour l'anniversaire et on veut le plaire. Nous sommes le jour de la danse. On entre bien sûr tous en transe. Parfois, nous ils sont emblés. Allez les cœurs! On arrive tout de même à danser. Il est là pour tout arranger. C'est vraiment le pied. Pour finir, mon très cher Walter, toi qui es notre Fred Astaire. On te donne toute notre amitié et la fête va commencer. On va tous danser et boire et chanter. Et joyeux Ah, regardez, ça.
Les bras, c'est bien. Reste jeune, beau, souple et bien fait. Recommence. Walter. Vous ne trouvez pas que vous êtes un peu hypocrite avec la jeunesse. Walter. Pour moi, Walter. Ah, ben, mais j'aurais bien voulu que tu aies une photo ensemble. Derrière le cadeau, la porte. Vous avez le nu le nœud que j'ai. Voilà. Alors. C'est le truc qu'on a fait en Suisse, là, dans le magasin. C'est pour le pique-nique. Voilà, on va voir. Enfin, ça, c'est l'appenzel. Voilà. Voilà, le fromage et le saucisson. Après, nous avons un peu des magnifiques. Ça, c'est le dessert, ça. C'est bien. Après, les bretzel. Les bretzel. C'est l'apéritif, ça. Vous connaissez tous les bretzel? Oui, oui, oui. Voilà. Les bretzel. On en a entendu parler. Voilà, c'est bon. Après, voilà, ça c'est bien emballé, c'est marqué. Non, c'est pas. Ah bon. Ah, c'est ce beurre français aurait-il la même saveur que le beurre berlinois? Non, mais voilà. Même saveur, mais pas le même prix. Ça, c'est le vin, bien sûr. C'est pas du rosé par hasard, parce que j'aurais un coup de rosé. Est-ce que j'ai le droit de lire ça? Je suis une petite boussole espiègle qui a un peu perdu le nord, égaré dans la matinée, dans la nature. J'ai enfin retrouvé mon chemin. J'arrive incessamment sous peu. Vendredi. C'est pas tout. C'est pour Denis, ça. Ah oui, Denis. J'avais perdu l'armée. Exactement, les messages. Parce que même. Diplôme. Ce message spécial atteste que Walter a passé le cap des 60 avec grande distinction. Heureux anniversaire. Ah. Oh là là. Ça, c'est quelque chose qui touche toujours et qu'on garde. Voilà, voilà. Voilà. Félix compleanos. Oh, le livre des années 48, là. Oh, vous avez vu la radio, la tête qu'elle avait. Hein. Ah, oui. On a connu.
Ah oui, oui. Chez vous. Oui. Naissance de Walter. Oui. Oui. Naissance de Walter. Oui. Bon, je lirai ça. Oui, d'accord. Oui. Il a nettoyé le soir. Oui, oui. Ça veut dire quoi? Oui. Françoise, hein, merde. Oui, oui. Il a tout cassé, hein. Est-ce que c'est en caoutchouc? Est-ce que c'est en caoutchouc? C'est un peu fragile. C'est bien. Avec les couteaux. Oui, elles sont allées dans un sex shop. Faire attention. Ah bon? Vous pensez tout de suite au préservatif comme moi. Non, je ne pensais pas ça, moi. Ça dépend, si vous n'avez qu'une partenaire, ça va, hein, Françoise? Moi, j'ai pensé à la sucette. Oui, oui, je ne vois pas le rapport. Oh là là, ah bah oui, ça j'ai compris ça, oui, oui. Ça c'est, oui, c'est pour la belle coiffure, ça. Voilà. De peigne. Oh, c'est si on te revoit un jour sans être coiffé, Je suis pas mal comme mec. Je suis pas mal comme mec. T'as pas mal aux chevilles. Ah ouais, de l'hygiène, s'il vous plaît, c'est pas moi qui vais l'ouvrir. Carry case and strap à Tom Tom. Ah, Tom Tom. Ah, ben maintenant j'ai compris. Oui, j'ai compris. Hein. Ouais. Comment ça veut dire ça? Oui. Non, on ne voit pas. C'est pour que petit clin d'œil à la Suisse. Ça fait rire, si vous êtes debout, vous voulez pas amener vos chaises? Oui. Ça serait une bonne idée. Et là, c'est des bonbons. Je peux l'ouvrir. C'est l'air de la Suisse, là. C'est l'air de Suisse. Donc, si on ne crie pas maman, hein. Ouais, ouais. Dis donc, j'ai déjà eu 3 explosions ce matin. Hein. Ah bon? Alors, l'appartement en dessous de chez nous, il y a une explosion. Alors, voyons. Oh là là!